Aquí unde s'arresta l'olivier, s'acaba la Mediterranea. Ardèche méditerranéenne. Entre moyennes montagnes et garrigues, la terre est ici aride et rocailleuse, souvent baignée par le soleil. C'est la limite nord de l'oléiculture française. L'ombre des oliviers est souvent de couleur mauve, bleue toujours, et lumineuse, pleine de joie et de vide. Culturelles sont difficiles et la géologie compliquée, nos huiles ardéchoises ont des saveurs incomparables. Sur le schiste, le grès ou le calcaire, 34 variétés d'oliviers recensées savent résister au froid comme à la chaleur, à la sécheresse comme aux violents orages cévenols. De bonheur et pertain des nebles. À qui l'on ne sait pas si l'arbre est une pantaille ou nous. Depuis 1995, c'est le renouveau de l'oléiculture ardéchoise. D'anciennes oliveraies sont restaurées et des milliers de jeunes oliviers sont plantés chaque année. Professionnels ou amateurs, les oléiculteurs se sont multipliés. Consommée, partagée ou vendue, l'huile produite participe au développement touristique de la région. Ce renouveau est un bienfait pour le paysage rural, où l'on assiste à la remise en valeur des terrasses. Ce sont les accolles de la Cévenne vivarèse.
accueil d'argent, des coquillons mailles bleues, d'autres scots un peu verts, bruns, que des vœux blancs sur une terre jaune. Rose un peu violette ou irande, qui poana à l'ocre rouge un peu acata. Mais qu'est-ce pas ici? Qu'est-ce pas ici? Partout, à l'infini, des oliviers massifs, énormes. Ventrus ou creusés de fissures profondes. Bosselés, tordus, craquelés. Comme des héros transformés en plantes et immobilisés à mi-chemin de leur métamorphose. Je tâte, je caresse. Je parcours de la main ces troncs qui donnent envie de les presser. De saisir cette peau rugueuse et craquelée du temps. Cette écorce comme le cuir vergeté des grands reptiles. Alors voilà, celui-là est très beau aussi. C'est des négrettes toujours. Alors les négrettes ont des feuilles extérieures ici aux trois quarts arquées. On va faire le gobelet déjà. Donc je coupe ça. Voilà. Il ne faut surtout pas couper. Le bourgeon terminal, ça gouverne toutes les branches. Et tour de l'olivier, nous prega de produire. Et nous fumer, l'implora. Et nous pouder, nous fourça. Maintenant, je vais faire un prélèvement de restons. C'est ça le plus dur. Il faut trouver du bois de 2 ans, il faut bien contrôler. Là, vous voyez, il y a de la sève, ça se décolle bien. Ça, c'est la greffe en plaquage. En plaquage. Dans le temps, ils appelaient ça chez nous à l'emplâtre. Si ça pèle bien comme ça, vous pouvez dire qu'il y a une réussite formidable. Et au bout de 3 semaines, on vient les défaire. Vous pouvez le faire sans fil, vous pouvez faire sans fil. Non, mais quand même. Hein. Merci. C'est la meilleure année, hein. Ouais. C'est bien.
C'est bon. Et là, nous avons un broutignard noir. Bon, on va commencer par la bouquetière. Dans un premier temps, il faut vous tenir le verre de cette manière, le faire tourner dans votre main de manière à tiédir l'huile d'olive et à mouiller le verre de façon à ce qu'il y ait le maximum de surface en contact avec l'huile pour que les arômes se dégagent plus facilement. Ensuite, vous le portez au nez en l'éloignant et en le rapprochant de manière à percevoir le maximum d'éléments volatiles. Ensuite, vous pouvez passer à la dégustation en bouche. Conclusion, c'est un fruité vert avec des arômes d'herbes fraîches, d'artichauts crus, un peu de pommes. Au niveau des défauts, pas de défauts particuliers, donc un fruité vert de bonne qualité qui peut être classé en vierge extra. Au début du XVIe siècle, c'est à Villeneuve-de-Berg qu'est né Olivier de Serres. Agronome, mais aussi philosophe et écrivain subtil, cet humaniste ardéchois a consacré sa vie à l'agriculture et à la société rurale, nous laissant en héritage l'idée fort précoce d'une agriculture raisonnée. Ceux qui disent que nous sommes pauvres n'ont jamais mangé un bout de pain baigné de l'huile de chez nous. Ah non, un bout de pain baigné de l'huile de chez nous, c'est comme croquer dans les collines d'ici. Ça sent la pierre, le soleil. Elle est belle, elle est épaisse, onctueuse, elle scintille. L'huile d'olive, c'est le sang de notre terre. Et ceux qui nous traitent de cutéreux n'ont qu'à regarder le sang qui coule en nous. Il est doux, il est généreux, parce que c'est comme ça que nous sommes, de pauvres bougres, à la face ravinée par le soleil, aux mains calleuses, mais au regard droit. Regarde la sécheresse de cette terre autour de nous. Regarde, savoure la richesse de cette huile. Entre les deux, il y a le travail des hommes. Et elle sent ça aussi, notre huile, la sueur de notre peuple. Oui, c'est ça, elle est noble, et c'est pour ça qu'elle est bonne.